Mais merde, pourquoi tout est fermé ici? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains. Tout le site est bouclé, section interne comprise. Et comment je fais pour ouvrir cette porte? Elle est fermée par une serrure électromagnétique. Donc il faut que je la grille à l'IEM. Et comment voulez-vous que je fasse ça, moi, bon sang? Votre gant est équipé d'un module ELEC, capable de générer des IEM. Vous trouverez un peu partout sur le site des capsules contenant les neuropolymères nécessaires pour installer ce module. Ok, je vais me débrouiller. Il y a un problème là. Oh merde! Oh, 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 ça je peux pas me battre là. Allez, allez, debout, soldat. Ah. Ouais, encore un effort. Ça va? Ça va. Combien j'ai de doigts? 4. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui, ceux-là? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui? Je suis médecin. C'est quoi, votre nom? On n'a pas le temps de discuter, là. Oh, putain! Les forceps! Les forceps! Les forceps, bordel! Je m'en occupe. Passez-les-moi! Hé, qu'est-ce que ça fout là, ça? Grouillez-vous, bon sang! Une capsule de neuropolymère? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est quoi votre nom? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi, j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on progresse. Comment vous avez fait ça? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre! Ouais. Larissa! Oh putain, faut éviter le rayon. Allez, je vais jouer là-dessus, quoi. Ah merde. Difficulté de l'avoir quand même. T'as de tourner aussi? Ah, je peux charger et esquiver en même temps? Ok, c'est... bon, j'aurais pas pensé. Oula. Problème réglé. Charles, où mène le conduit que Larissa a pris? Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça plus tard. Ok, qu'est-ce que j'ai ramassé encore? Capsule moyenne. Ok, c'est pour les PV. Ok. C'était C. Ah oui, d'accord, c'est... ça a fermé la porte. Ok, ok, ok. C'est quoi ce bidule sur la porte? Une serrure. Sérieusement? Alors ouvrez-la, bordel! Allez, on n'a pas que ça à faire! Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Bah voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur s'allume. Et je dois plusieurs essais.
ça a marché. Et le son, il y a un impression qu'il est juste à côté. Une berceuse? J'aime pas ça. Charles, il y a quoi derrière cette porte? C'est la voix de Nora, un adversaire extrêmement dangereux. Nom de Dieu! C'est quoi ça? Oh, quel étalon! J'adore les quelqu'un de muscles! Laisse-moi t'attacher au lit, mon joli. Inutile de résister, mon lapin. Tu vas adorer ça, tu verras. Ne la laissez pas vous lier les bras! Mais je fais que ça! Vous auriez pas d'autres idées? Amenez-moi près de ces capteurs! Vite! Oh, ça m'excite! J'adore les hommes rebelles et dominateurs! Attends que je te chope! Tu vas voir, saloperie! Ah, quelle brute! J'adore les gros durs, ça me rend folle! Plus près, je ne peux pas l'atteindre! J'essaie! Mais elle est balèze, la salope! Je ferai tout ce que tu veux, mon joli. Mon maître, que veux-tu que je te fasse? D'autres compétences viendront plus tard, mais choisissez les LEC pour l'instant. Ok. Vous venez de récupérer environ 50 grammes de neuropolymères. Je vous suggère de les échanger avec notre chère Nora contre une nouvelle compétence. Ça vous convient? Ah, environ 50, c'est-à-dire que j'en ai loupé énormément. Ok. Votre gant peut envoyer une décharge électromagnétique sur des ennemis et leur infliger des dégâts électriques. Les robots sont particulièrement vulnérables à l'électricité. Décisive 0. Cliquer écran suivant, passer artisanat. Mais tu es irrésistible. Je vais te montrer ce que peut faire une professionnelle comme moi. Je l'ai vu, hein. Littéralement. Putain de méchouis. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. Crois-moi, mon joli, tu peux améliorer tout ce que tu veux. Absolument tout. Les armes, c'est utile. Ouvrez donc la fenêtre correspondante. Enlève ce gant ridicule, mon mignon. Tu n'en as plus besoin maintenant que tu m'as moi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as une grosse épée et je peux faire beaucoup mieux. Ce petit coup rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Un beau guerrier. Alors, mon grand, ça t'a plu? Ouais. Pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis et apporte-moi des cadeaux qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est, sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile, même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. J'ouvrirai l'œil alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chéri. Bon, ça va aller comme ça. On se tire. Alors ça, c'était pas prévu. Ah, c'est F, c'est pas espace pour. Donc l'artisanat, on permet déjà posséder. Je peux fabriquer une. Ok. Plan requis. Donc fabrication d'armes, on oublie. Fabrication de consommables.
Neuromède, ok. Pourquoi j'ai un contour de FPS qui s'affiche? Ah, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Donc on peut fabriquer des munitions, mais je n'ai pas encore les plans. Et ensuite sur les deux armes que je possède. Ah oui d'accord ok, c'est soit l'un soit l'autre. Ok ok ok. Alors, j'imagine qu'il faut des plans, c'est simplement quoi qui s'est écrit. Ok. Ça marche comme ça, le fusil à pompe, qu'est-ce que je pourrais en faire? Stabilise le tir, c'est toujours bon à prendre. Hein. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut. Et de stocker des choses, ok, donc de limiter aussi. Et du coup. Je fais comment pour descendre. Ouais, on peut appuyer sur table de toute façon. Un passe pergessime, ok. Et kinésie. Pas encore. Projection. Bouclier, votre camp peut vous entourer d'un bouclier de... C'est intéressant ça. Oui. Et donc si je prends le suivant, c'est... Je peux... électrifier les ennemis, ok. Oui, c'est bien. Là, j'ai pas assez de points pour le sûr. Ok. Le truc, c'est que j'appuie sur quoi pour afficher ça, par contre. J'appuie sur toutes les touches. Ok. Ah oui, j'avais qu'une seule charge en bas à droite. Ok. Donc c'est des charges... que l'on a. Par contre, les FPS, comment j'ai fait pour afficher ça? Commande. Contrôle. Menu cartouche, c'est au centre. Ah, ok. Et il n'y a pas de touche pour ça? Ah oui, j'ai tenté de faire 1, 2, 1, oh. Ok, c'était ça. C'est la touche 1 du... pavé numérique. Ok. Je crois que j'avais essayé de sélectionner. Bon, du coup... C'est quoi le problème des Vova au corps noir, Nikolai? Les Vova 6 standards suivent mes ordres et sont toujours polis. Mais les Noirs se comportent comme si le site leur appartenait. Ils font où ils veulent, et ils ignorent les ordres. Hier, l'un d'eux m'a percuté, il ne s'est même pas excusé. Ils ne répondent qu'à ceux qui ont un crédit social élevé ou quoi? Ma
pour moi au plus vite. Je commence vraiment à flipper là. Super, les ascenseurs sont HS. Du coup, je fais quoi, moi? Je saute? À pied? Il n'y a plus d'électricité. Si vous remettez le courant, il devrait refonctionner. Va falloir que je trouve un tableau électrique, quoi. Mais où, bon Dieu? Je pourrais suivre les câbles, mais ils sont tous planqués dans les murs. Le scanner peut détecter les émissions électriques. Ah oui, c'est ça qui glisse, ok. Clac, 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 et puis ça va derrière. Ça m'intrigue sur le fait que il y a un étage peut-être à visiter avant, non? Il y a du bruit de ce côté-là. Attention, caméra de surveillance pâquerette droit devant. Si elle nous détecte, l'endroit va grouiller de robots. On se calme. Je peux détourner son attention en balançant un truc. Elle a désactivé à coup d'IEM. En lançant un objet. Ah, mais j'ai plus, Elec. Le site est équipé de caméras de sécurité. Dès qu'elle détecte le joueur, elle déclenche l'alerte de niveau 1 et il faut réappliquer tous les robots à proximité. Si le joueur est vu en train de combattre un robot, l'alerte passe au niveau 2 et déclenche l'appel de renfort. Vous pouvez distraire une caméra de surveillance en lançant un objet ailleurs ou en désactivant temporairement à l'aide du votre module ELEC. J'ai plus de mon truc élec, donc savoir comment éviter cette caméra, camarade. Je m'attendais à plus de subtilité de la part d'un professionnel. Des fois, faut juste faire parler la poudre, comme là par exemple. C'est vraiment la poudre que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça maintenant. Sur le chiffre, ça m'a fait sauter. Ok. Bon, je me rends compte que je vais vraiment pas au bon endroit, hein, ça c'est... Je disais qu'il y avait un petit truc à faire avant, mais... Peut-être que c'est la suite. Ah, vous avez la clé. On va pouvoir accéder au tableau électrique. Ouais. Mais je vais d'abord devoir faire un petit tour d'horizon. J'ai besoin de pièces pour améliorer mon arme. Sinon, j'irai pas loin avec cette merde. Ce n'est pas moi qui vais vous en empêcher. Sage décision, Charles. Sage décision. Un petit rappel pour dire pense à récolter, mais bon, ça de ce côté-là, y a pas de soucis. Donc, ça se trouve, je devais aller là-bas et puis on m'aurait dit coffre, la porte est fermée, donc du coup. Edgar Dos Santos de Brito rejoint la Graou Family YouTube.
Et bonsoir. Hey, Coco. C'est Charles. Et bref, qu'est-ce qui se passera si la nouvelle se répand? La réputation de toute l'URSS en pâtira. Les robots soviétiques sont considérés dans le monde entier comme étant parfaitement fiables. Mais ils le sont. Bien entendu. C'est pour ça que la trahison de Petrov frappe notre mère patrie au cœur. Il a... Ah, j'ai pas pensé que ça coupait. Littéralement poignardé son propre pays dans le dos. Il veut que le monde entier cesse d'utiliser nos robots. L'idée de tout connecter dans un système central aussi. Camarades, d'aucuns disent que le lundi commence un samedi, mais je tiens à ce que vous preniez votre week-end. Comme vous le savez, la polymérisation à grande échelle va se produire dans toute l'Union soviétique le lundi 13. Et nos dirigeants veulent une équipe de volontaires pour les festivités à venir. Quiconque travaillera le 11 ou le 12 recevra un blâme, pas un bonus. Bon week-end à tous. Ah non. Je perds plusieurs fois. Ah oui, non, il se recharge en bas. Ok. Je sais pas ce que c'était la partie de droite. Ok, donc je redescends du coup. Si on mettait un cookie là-dedans. Les serrures, ça doit aimer ça, les cookies. Hein, Charles? L'est-il? Vous aimez les cookies? Le décodeur. Concernant votre question de fonctionnement du décodeur Alliance, ce gros appareil est un système de sécurité passif. Certes, comme vous l'avez judicieusement fait remarquer, un gamin pourrait s'en servir, mais si votre gamin s'amuse à trifouiller les combinaisons, un signal est envoyé au service de sécurité et le garde de faction peut alors bloquer tout acte non autorisé. Cela dit, en cas d'urgence, le décodeur peut être manipulé par un employé non formé. Du reste, du fait des restrictions liées au logiciel, aucun robot ne peut le contrôler, ce qui réduit les possibilités d'erreur en cas de robot dysfonctionnel. Alors, continuez votre question. Ouais, y a pas d'astuce. Oh, on dirait un truc de Fallout. Aïe, un système de sécurité passif à relais laser. J'ai déjà vu ce genre de truc un paquet de fois. Il faut un code couleur. Malheureusement, nous n'en avons pas. Vous allez devoir essayer de le trouver en réfléchissant. Ah ouais, je pensais devoir rester devant jusqu'à ce qu'il s'ouvre tout seul, moi. Je sais pas comment ça marche aussi. Il y a personne, hein, qui va me faire agresser pendant que... Ah, il y a un tuto. Alors, débloquer la fonctionnalité du relais laser passif en mettant les flux magnétiques dans le bon ordre. C'est des cercles que je peux tourner. Okay. Essayez de faire correspondre les couleurs des lasers avec celles des lumières. Ça devrait marcher. Couleur des lasers avec celles des lumières. Ah oui, du coup, ce serait le. Ok, je comprends. Et c'est produit par ces trucs-là.
Ah, c'est produit par celui-là du bout, du coup. Ça ? Dément, ça marche. Bien, retournons là-bas. J'ai rallumé le tableau électrique. Et je suis électricien. Alors, on prend lequel ? Je propose celui de droite. Autrement dit, vous en avez aucune idée. Du coup, je vais prendre celui de gauche, moi. Non, je prends celui-là. Je peux pas ? Si, je peux. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Vous me prenez pour un débile ? Je sais où aller pour accomplir ma mission. Esquive en plein saut. Ah ouais ? J'essaie juste de vous faciliter les choses. Eh ben alors dans ce cas, foutez-moi la paix. Ok. Il y a un dash de disponible. Hey, Charlot. C'est Charles. Ouais, ouais. Comment Petrov a réussi à s'en tirer ? Il y a plus de soldats que de civils ici. Il paraît qu'il aurait reçu un coup de main. Donc il n'est pas tout seul. Mais je croyais que ses complices étaient morts. C'est qui alors ? Nous ne le savons pas encore. Ce ne sont que des spéculations, non des faits. Bon, je verrai ça quand je serai sur place. Plan cartouche. Ok, ça c'est bien. Mais du coup, mon aventure, il est comment ? Ouais, l'artisanat, ça se stocke ailleurs, donc ça, c'est bien. Ce chargement. Attends, au pire du coup. Donc effectivement, je suis allé un peu à l'opposé de là où je devais aller et j'ai chopé un plan, donc ouais. Le contredire est une bonne idée. Il y a une partie fouille indispensable parce que bon, avant qu'on peut looter ailleurs le plan de les cartouches, les balles de fusil à pompe. Je ne sais pas passer une porte. Désespoir, vu le pire visage. Je vous rappelle que la porte est fermée par électromagnétisme. Oui, je suis vous le dire en quelle langue ? Pardon, allez-y, je vous en prie.